Yahoo mon petit bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour ouvrir enfin le coffret de Mega Tyrannosif X. Alors je dis enfin tout simplement parce que en fait je l'ai acheté je crois vers décembre ou janvier l'an dernier. Donc 2018 en janvier et décembre 2017, voilà. Je devais ouvrir un coffret par mois, à un moment donné j'avais commencé à faire un coffret par mois et puis j'ai pas eu le temps. Et puis après ça a toujours été repoussé et donc me revoici avec le coffret pour enfin l'ouvrir. Donc je dis ça parce qu'en même temps hein, si on regarde bien on est sur du soleil et lune ombre ardente. Donc ça date d'il y a un petit moment. D'ailleurs depuis moi personnellement j'ai arrêté d'acheter tout ce qui va être cartes Pokémon. Tout ce qui va être goodies comme les gachapons etc. Je continue la collection mais les cartes, les collections actuelles ne me plaisent pas du tout du tout du tout. Donc voilà. Donc ce sera vraiment la dernière vidéo ouverture de cartes Pokémon sur ma chaîne. Ou alors peut-être que j'ouvrirai des cartes mais genre acheter des cartes japonaises ou des trucs dans le genre ça ouais. Mais les françaises non. Voilà. Donc je te retrouve après avoir enlevé tout ça et c'est parti. Tant que j'ai gardé le recul par rapport à la caméra, voici d'abord à quoi ressemble la grande carte de Tyrannosif X. Méga Tyrannosif. Et voilà, Tyrannosif X en tout petite. Je vais te zoomer pour que tu puisses bien la voir. Donc voilà à quoi ressemble la petite carte de Tyrannosif X. J'ai toujours du mal à le prononcer, sinon c'est dingue. Et voici donc la carte pour avoir le coffret. Voilà. En ce qui concerne les codes online de cette vidéo, je les donnerai, mais pas forcément à chaque fois aussitôt que j'ouvre un booster. Donc on n'est que du soleil et lune ombre ardente. Oui. On a deux fois les mêmes Pokémon et on a elle en plus. Donc on va commencer par la demoiselle. On terminera par Machado parce que c'est mon préféré. Voilà, hop. C'est parti. Je sais même plus comment on fait. Ah oui, 1, 2, 3, 4. C'est 1, 2, 3, 4 pour cette collection. Donc le code, hop. 1, 2, 3, 4. Et c'est parti. Je vais quand même te descendre. Me revoici donc pour l'ouverture de ce booster. Donc c'est parti. Donc les énergies, je dis même plus. Hein. Lampérois, dresseur Guzma. Solarock, Porygon, pardon. Caraclé, Misterbe, Salamèche, Marill. On a Sepiatros et Papillusion. Ok. Ensuite. Donc le booster, celui-là, il est fait. Voilà le petit code que je mets de côté. 1, 2, 3, 4. Énergie, dresseur Mon Lanakila, dresseur Vicky, dresseur Corde de sortie, Krabagar, pardon. Oula, j'ai vraiment du mal à m'y remettre. Niaos, pardon pour la sonnerie du portable. Nounourson, Feuillajou, Cradopo, Selenox, Persian. Pardon. Voilà. On attaque donc avec le deuxième booster du même Pokémon. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me mettre quels sont le genre d'items que vous aimeriez voir autre que les cartes Pokémon sur la chaîne. En ce qui concerne Pokémon, est-ce que c'est plus les gachapons que vous avez envie de voir un peu plus souvent? Est-ce que vous voulez voir justement que j'ouvre des boosters japonais de cartes? Est-ce que c'est des goodies en soi, enfin des boosters surprises Pokémon? Voilà, n'hésitez pas vraiment à me dire parce que justement je cherche vraiment ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de choisir. Et peut-être avoir votre avis, votre envie peut me guider par rapport à ce que je prendrai peut-être. Voilà, donc l'énergie. Rhinophéros. Oui, ça, Rhinophéros. Ouais. Rétincelle. Frisson. Salamèche. Ratata de Lola. Porygon. Floutajou. Feuillajou, pardon. Sonistrel. Waouh. Darkrai en GX. Et voilà, et ça tombe pile quand moi je compte arrêter. Voilà, hein, bien sûr. Heureusement,
Heureusement que toutes ces cartes vont être bientôt remises à vente, en vente. Ça pourrait être plutôt pas mal. Donc je suis désolée, j'ai eu droit encore à une coupure parce que le téléphone, à chaque fois que je filme quasiment, il y a le téléphone. Si on regarde bien les premières vidéos, j'ai eu plein de coupures comme ça parce que j'avais eu le téléphone qui sonnait, c'est génial. J'ai le problème à cause du travail de mon père et que mon père aide beaucoup de gens, du coup, ben, ça sonne très souvent à la maison. Ouais, hop, 1, 2, 3, 4. Et quand je filme dans mes autres pièces pour les autres chaînes, ben, j'ai pas ce problème parce qu'en fait, on n'entend pas. Voilà, tout simplement. Alors que là, je suis vraiment au-dessus de la pièce où il y a le téléphone. Donc, énergie, dresseur, spray, tourmenteur, scorbolide, guzma, on va avoir Thiboudé. À chaque fois que je vois Thiboudé, je pense à la youtubeuse Thiboudou. Voilà. Coxy, Out Out, Goupix d'Alola, Tersal, Hypocéan, et c'est bien ce que j'avais aperçu qu'il y avait une GX, et donc c'est Necrozma. Voilà. Donc, elles seront, hein, toutes ces cartes-là sont, à, je vous redis, à, dans mes ventes très prochainement. Et je vous mettrai dans la barre d'infos un petit texte pour vous expliquer en fait où seront mes ventes. Ou alors je vous donnerai aussi, je vous ferai une vidéo je pense spéciale pour vous dire mes ventes sont dispo au niveau des cartes Pokémon. Parce qu'il va falloir beaucoup beaucoup de temps pour mettre tout ça à vendre. Parce que il y a en fait toutes celles que quasiment que j'ai ouvertes sur la chaîne à partir de Soleil et Lune. En fait tout Soleil et Lune et tout ça vont être mis en vente. Voilà. Donc les codes online c'est parti. Hop, le premier. Le deuxième, le troisième, le suivant et le dernier. Voilà. Et donc c'est parti. 1, 2, 3, 4. Pardon, je vous ai donné un petit coup, je m'en suis rendu compte. Donc l'énergie, rétincelle, scorbolide, culbutoké, magicarpe, petit bouté, ratatadado, la flottage chou, chenipan, léviator que je vais garder et toco taureau en GX. Ouais, voilà, tout va bien, tout va bien. Non mais, et j'arrête les cartes Pokémon, c'est ça tu te dis, c'est ça le pire. Voilà. La vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker et commenter, pourquoi pas partager la vidéo. N'hésite surtout pas à me dire du coup ce que tu veux voir le plus sur la chaîne en ce qui concerne les Pokémon. Est-ce que tu veux que je joue des boosters japonais ou de d'autres pays? Est-ce que tu veux juste des boosters surprises? Est-ce que plus de gachapon, etc, etc. N'hésite vraiment pas à me dire ce que tu préfères voir sur la chaîne. Ou même par exemple l'achat de plus de pack figurines. Alors, ce que j'entends par pack figurine, je pense à ça, en fait. D'ailleurs, c'est un de mes derniers achats récents, que je n'ai toujours pas montré, en fait, sur ma chaîne. Donc, j'ai acheté ça récemment et j'en ai vachement acheté cette année. Donc, voilà, n'hésite pas à me dire si tu veux plus de ça, si tu veux même plus de peluches, peut-être Pokémon, etc. Voilà, n'hésite vraiment pas à me mettre ton avis en commentaire, ça me fait très plaisir de découvrir et de savoir justement ce que tu aimerais le plus voir sur la chaîne. Et ben voilà, c'est tout. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je te retrouve sûrement très rapidement quand même pour des vidéos Pokémon. Le mois prochain, ça c'est sûr. Sur ce, à bientôt !